Autant pour moi, je n'avais pas activé le micro. Désolée, on n'entend rien. Bonjour à tous, je recommence. Je suis Virginie Siveton, je suis professeure d'art appliqué et illustratrice. Normalement, vous devriez m'entendre. Merci en tout cas pour votre présence. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel atelier. On y abordera les proportions du visage à la façon du manga. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un très bel été, chaudement. Normalement, vous devriez avoir le son qui est revenu. Dites-moi si vous avez toujours pas de son. Bonsoir à tous. Bienvenue Isabelle, Françoise, Maurice. C'est tout bon maintenant. Parfait. Ce sont les aléas du direct. Impeccable. Donc aujourd'hui, on utilisera le papier à dessin blanc C à grain, un papier qui est parfait pour les scolaires et qui sera parfait aussi pour les études, les crayons, les esquisses. Donc là, comme on va faire aujourd'hui avec toutes les proportions du visage qu'on va voir. C'est bon, elle a remis le son. Oui, tout à fait. Normalement, ça devrait marcher. Bienvenue à tous. On va attendre que tout le monde arrive. Donc cette pochette qui a eu un nouveau design avec de superbes illustrations qui l'accompagnent. Donc c'est un papier qui supporte très bien l'utilisation des crayons de couleur comme des crayons aquarellables. J'ai fait quelques petits tests que vous voyez juste ici avec différentes coupes de cheveux pour vous montrer un petit peu la polyvalence du papier. On a les styles nouveaux, les Color 3.0 qu'on utilisera aujourd'hui. Et les aquarellables, donc les crayons de couleur qui, avec un petit peu d'eau, prennent une autre dimension et nous permettent d'avoir un super rendu. Bonsoir à tous. Donc avec cette pochette, on utilisera aujourd'hui donc les Color 3.0 pour la mise en couleur. N'oubliez pas aussi, il y a tout au long du replay, enfin du replay de la vidéo, vous avez la possibilité de participer à un tirage au sort avec la possibilité de gagner, de remporter le matériel qu'on utilisera pour l'atelier. Hop! Je vous montre le modèle qu'on va refaire aujourd'hui. Donc il s'agit d'un portrait à la façon manga. Alors il y a plein de manières hein, de dessiner en manga. Les proportions vont être stylisées, donc revisitées, on aura des yeux beaucoup plus grands que sur un portrait normal. Je n'ai pas de son et on me dit que ça va commencer. Normalement, vous devriez avoir le son. N'hésitez pas à rafraîchir la page si ce n'est pas encore le cas. Donc on verra étape par étape la construction au niveau des repères des esquisses. Je vous ai préparé également un petit repère ici avec le papier calque pour voir les différentes formes géométriques qu'on va pouvoir utiliser. Je vous guiderai évidemment sur toutes les étapes pour la réaliser. Donc équipez-vous de votre papier. Hop. D'un crayon plutôt sec qui va vous permettre d'esquisser donc le visage. Hop. D'une gomme si nécessaire et vous aurez éventuellement besoin aussi d'une règle. Alors là c'est juste pour vous aider à tracer, on n'aura pas besoin de mesurer. Vous allez voir qu'au niveau des proportions ça va être relativement simple. Vous allez diviser à chaque fois par deux les dimensions et vous allez voir aussi que on n'a pas besoin que ce soit parfaitement symétrique aussi, puisque on n'est pas de manière robotique vraiment symétrique d'un côté et de l'autre du bonjour, bonjour à tous, d'un côté et de l'autre du visage. Alors, on va commencer avec, normalement, si vous êtes tous prêts, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Super. Alors, on va commencer par tracer un trait à la verticale.
Normalement, l'esquisse va être assez légère, ce qui va permettre en fait de pouvoir gommer si nécessaire, reconstruire la forme. N'hésitez pas à prendre toute la surface de votre feuille, ça va vous permettre d'avoir un dessin qui va être assez grand comme le modèle qui est là et qui va vous permettre de réajuster, de pouvoir bien construire les éléments, de pouvoir vous repérer et aussi on va poser les différents volumes. Si tout le monde est prêt, c'est parfait. Donc vous allez tracer une ligne à la verticale de haut en bas de la feuille et on va tracer un grand rond qui ne va pas représenter toute la taille de la tête, mais ça va nous permettre en fait de se baser donc sur cette forme géométrique très simple. Et on va pouvoir ensuite faire tracer la mâchoire avec les différents angles. La qualité de la caméra est géniale, bah, tant mieux. Très bien. Donc vous allez pouvoir tracer un grand rond. Alors essayez d'avoir le rond qui soit à peu près symétrique. Donc on va avoir un côté, hop, juste ici. Et d'avoir la ligne en fait qui va passer au milieu du rond. Vous pouvez très bien vous aider d'un compas si vous ne vous sentez pas à l'aise sur la construction du rond. Mais si c'est pas un rond parfait, il n'y a aucun souci. Vous allez voir que c'est juste la structure qui va nous permettre de placer en fait les différents éléments du visage. Donc normalement, vous avez ici une esquisse très légère pour avoir le rond. Est-ce que tout le monde a son rond? Avec le trait qui part du milieu et vous allez voir qu'on va s'en servir pour tracer le bas du menton. Donc on a au-dessus du rond, juste ici, une première ligne. Ça va être la ligne du dessus. Et on va voir que, hop, je vais vous la caler par rapport au rond que j'ai fait. Bon, le mien est un peu plus grand. Oui. Elle aura un visage un peu plus large. Donc, on va tracer ce premier rond qui est ici, avec la ligne du milieu. Et ça va nous donner la hauteur qu'on va pouvoir. C'est parfait si vous êtes prête à Nice. Et on va tracer donc là le bas du menton, on va donner laisser un petit espace après le rond. Donc là c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Pour les visages féminins, on va avoir un visage qui va être plutôt donc assez proche du rond principal et surtout assez fin, contrairement à la mâchoire masculine où on va avoir plus des angles. Là, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de plus doux. Donc, vous avez la hauteur ici, hop, de ce trait et pour le trait du menton, on va tracer également une ligne horizontale. Il est énorme votre rond. Tant mieux. Ce qui va nous donner une hauteur. Une hauteur qu'on va diviser en deux. Donc on va la couper à peu près au milieu. C'est pas au millimètre près, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va être pour placer la ligne des yeux. Le regard, que ce soit en manga ou dans un portrait plus traditionnel, vous verrez ça avec le prochain atelier, vous allez voir que la ligne des yeux se situe généralement au milieu du visage. Il faut compter que le visage ne commence pas avec la pousse des cheveux, mais avec le dessus de la tête et jusqu'au menton. Donc normalement, vous avez ici, sur la ligne qui est là, on va choisir le milieu et tracer un trait, donc à part égale entre cette distance et celle-ci. Si vous avez une règle, vous pouvez mesurer, hein, évidemment, mais si vous n'avez pas de règle, c'est pas très grave, ça peut être au feeling. Il faut juste que ce soit à peu près à part égale. Et donc c'est sur cette ligne qu'on va pouvoir placer les yeux. Les yeux en manga sont très expressifs. Vous avez, hop,
le modèle qui est juste ici. Et vous en avez plein qui sont stylisés. Je vous inviterai aussi à regarder par vous-même selon vos affinités sur des grandes licences de manga où vous avez des yeux plus fins, une pupille avec des formes qui vont être des cœurs, des étoiles. Il va y avoir plein de reflets dans ces yeux manga. Ici, on sera sur un visage qui est de face, qui permet de vraiment étudier les proportions. Et ensuite, vous pourrez, une fois que vous serez à l'aise avec tous ces éléments, vous pourrez jouer avec les différents angles pour pouvoir donner encore plus d'expressivité, par exemple avec une grande bouche ouverte qui regarde vers le ciel, etc. Une fois que vous serez plus à l'aise avec toutes ces proportions. Alors, pour les feuilles que j'utilise, c'est du 180 grammes sur la pochette. Donc ici, on va placer sur le côté gauche un rond, un petit rond, tac, et on va reporter cette distance, qu'elle soit à peu près égale, ici, donc vous allez avoir un rond fantôme qui va avoir la même proportion, et on va répéter ensuite le rond. Ça va nous donner l'emplacement des deux yeux. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à avoir des orbites, là, des emplacements pour les yeux qui vont être assez grands, puisque c'est là-dessus qu'on va jouer pour les expressions manga. Donc là, vous avez un premier rond qui va toucher le deuxième et le troisième. Vous avez trois petits ronds à la suite pour pouvoir placer les yeux. En fonction de la taille de votre personnage, de la taille de votre visage, n'oubliez pas que c'est sur la ligne du milieu qu'on placera les yeux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour avoir la mâchoire, on va avoir une mâchoire qui va rejoindre le trait à la verticale. Donc vous allez, enfin rejoindre, on va pas avoir un triangle non plus, mais on va avoir ici les directions, hop, qui vont aller vers le bas. Donc on va partir du rond et on va se diriger vers le bas, de la même manière de l'autre côté, et ensuite on va rejoindre en formant un petit angle, on va rejoindre le bas du menton, en formant une petite pointe juste en dessous. Les yeux, oui, sont centrés quand on a un visage qui est de face. Parfait. Alors, vous avez donc là les traits de la mâchoire qui vont vers le bas. La mâchoire, pareil, histoire d'être à peu près symétrique. Normalement, vous voyez l'angle qui se crée va être sur la même ligne horizontale. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à prendre le live en cours, sinon vous aurez la possibilité de le refaire. Vous avez sur la page Canson tous les replays de tous les ateliers qui vous sont proposés. Donc ça vous permet de vous exercer comme vous le souhaitez en faisant des pauses ou en revoyant le replay à chaque fois. Vous avez placé les yeux et la mâchoire. Donc sur un visage masculin, on aura un angle beaucoup plus prononcé, une mâchoire beaucoup plus carrée. Donc c'est ça qui va différencier ici le visage féminin. On va aussi avoir le cou qui va être plus étroit que celui d'un homme. Donc on va commencer le cou, hop, légèrement en décalé par rapport à l'axe de la mâchoire et on va juste le descendre. Ici, d'un côté et de l'autre. Oui, Annie, la mâchoire est juste ici. Ce sont le fait de descendre le trait et de rejoindre le menton qui est juste là.
Hop. On va donner à ce personnage, à la construction, un aspect un peu plus humain maintenant, en plaçant les yeux, le nez et la bouche d'une certaine manière. Donc sur les yeux, on va pouvoir par exemple travailler, c'est là où c'est le plus rigolo, hein, puisque c'est les yeux qui sont plus expressifs. On va avoir sur le rond qu'on a tracé un premier œil et on va pouvoir épaissir les traits qui servent à dessiner les sourcils, les cils, pardon. Donc là, on va prendre la forme, le galbe, qui est juste là. Hop, des cils, et on va pouvoir étirer avec une petite pointe sur le côté pour accentuer le mascara de la demoiselle. Donc vous l'avez, hop, sur le haut, un petit peu arqué. On va venir faire le deuxième œil comme ça, c'est mieux d'alterner d'un œil à l'autre pour pouvoir ajuster et travailler de manière un peu plus symétrique. D'ailleurs, c'est assez génial puisque j'ai vu qu'à l'annonce du thème et de la photo du modèle, vous avez été quelques-uns à essayer sans aucune directive à dessiner. Donc c'était assez chouette. N'hésitez pas aussi à la fin de cet atelier, de nous partager votre résultat. C'est toujours très très chouette de voir quelle est la réinterprétation de chaque artiste qui sommeille en nous. Donc là, on va faire hop, le deuxième cil, à peu près la même épaisseur de mascara. Pas de soucis, à bientôt. N'hésitez pas à le refaire en replay, oui, prenez votre temps. Donc là, vous avez ici le premier. J'ai juste rajouté en bout de cils un petit triangle comme ça. Ça permet de marquer le mascara avec le petit côté d'eyeliner. C'est ce qui va lui donner un regard un petit peu plus féminin. D'ailleurs, pareil pour les cils, on va avoir, là vous pouvez en rajouter, alors essayez de ne pas en rajouter trop trop trop, et surtout de rajouter par contre une petite courbure, de commencer depuis l'arc de cercle ici qui est présent, et donner une petite courbure comme si vous dessiniez une parenthèse. Moi, j'aime bien en faire 3-4, pas plus, sinon ça lui donne un regard vraiment trop trop intense. Mais n'hésitez pas à lui donner une petite courbure comme ça à chaque fois. Hop, ça leur donne un côté un petit peu plus naturel. Le mascara est plus simple dans la vraie vie. Ah, je sais pas. Hein. Alors, on va pouvoir d'ailleurs descendre un petit peu le côté du mascara ici en essayant de garder aussi la courbure juste là. Donc, descendez-le un tout petit peu d'un côté et de l'autre de l'œil. Et on a ensuite, juste en dessous de l'œil, vous avez une petite... Un petit trait qui va être quasiment à l'horizontale, qui va en fait symboliser le dessous, qui va permettre de recadrer un petit peu le regard. Donc là aussi, on va tracer un trait, hop, d'un côté et de l'autre, à l'horizontale, et par-dessus, on va rajouter les cils, mais qui cette fois vont se courber dans l'autre sens. Donc mesdames qui êtes familières avec le mascara, c'est la gestuelle qu'on va pouvoir avoir pour avoir la courbure, des cils. Et s'il y a des enfants qui ne se maquillent pas encore, c'est juste de faire des petits arcs de cercle qui vont aller, à chaque fois dans le sens, comme si on faisait un C de ce côté et, de manière symétrique, un petit arrondi. Alors là, j'utilise un crayon standard. Donc là, c'est un crayon F qui me permet d'avoir l'esquisse. J'ai pas pris un crayon très gras comme les bolds, comme les B. Et j'ai pas pris non plus un H. J'ai pris un milieu de gamme pour pouvoir esquisser tout mon visage.
Merci Alexandre. Alors, à l'intérieur des yeux, on va pouvoir réaliser un ovale. Ici, on va d'abord commencer par celui qui est à l'extérieur. Donc, on va pouvoir ici réaliser un ovale qui va être assez grand. N'hésitez pas à l'exagérer. On est sur des proportions manga, on peut avoir des proportions qui vont être assez folklore. Donc là, on est sur l'ovale ici extérieur, et ensuite, on va pouvoir réaliser tous les reflets qui sont à l'intérieur des yeux. Le cours a commencé il y a 10 minutes à peine, effectivement. N'hésitez pas, prenez vos crayons, équipez-vous. C'est bon si vous avez un 4H, c'est très bien. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les descriptions du matériel. Vous avez tout le matériel que je vais utiliser durant l'atelier. Mais si jamais, vous pouvez très bien suivre l'atelier avec le matériel que vous avez déjà. Donc, on va faire le deuxième ovale à l'intérieur, ici, qui permet d'avoir un regard très très brillant et qui va suivre un petit peu la même courbure que l'ovale précédent. Hop. Bonjour du Québec. Très bien, bonjour à vous. Bonjour de France. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, le direct est fait pour ça. Donc, de manière à peu près symétrique, on va faire, hop, un autre ovale. Et on va, la pupille, en fait, elle va être cachée, elle va être juste en dessous ici. Ça va former une petite lune. Qui va vous permettre d'avoir un regard un petit peu plus intense. Hop. Donc, n'hésitez pas. Alors là, soit vous pouvez prendre un crayon un peu plus gras pour que ce soit plus marqué. Ben, un peu plus. Là, j'ai un 8B sous la main, ça va être bien plus intense. Sinon, vous pouvez simplement appuyer sur votre crayon. Et de la même manière, hop, on va le faire en symétrie. Et là, on a déjà une esquisse qui s'approche un peu plus du modèle. On va lui intensifier le mascara pendant que vous nous rejoignez. J'ai aussi un crayon F. Alors le F, moi je l'aime beaucoup parce que justement il est assez polyvalent. C'est un peu comme le HB. Vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de très fin qui va pouvoir se gommer extrêmement facilement sans pour autant abîmer le support, le papier. Et en même temps, si on appuie, on va avoir quelque chose d'un peu plus noir, d'un peu plus intense. Parfait, Aïda. Alors, on va pouvoir esquisser maintenant les autres petits reflets. Si vous regardez bien, vous avez un ovale qui va être là à gauche et ici à droite dans l'œil. Et donc, on va esquisser celui-ci. Alors, pour le positionnement, il touche la pupille et le bord de l'œil. Après, il n'y a pas de règle. Si vous voulez lui faire un petit cœur ou personnaliser votre reflet, vous êtes absolument libre d'être créatif sur les reflets qui sont dans les yeux. Les F ou les H sont plus secs et les B plus gras. Exactement. Les B vont être plus intenses, plus noirs. Et donc, ensuite, ah bah d'ailleurs, voilà, le problème aussi du B, c'est que si on passe la main dessus, et bah c'est un crayon qui va s'étaler et donc qui peut aussi tacher un petit peu le papier. Alors, le temps que je retrouve ma gomme, hop, et c'est reparti. Donc, on va pouvoir, il y a aussi deux petits traits qui vont être en diagonale, juste là. Et un autre un petit peu plus subtil, je vais vous le montrer sur l'autre caméra. Hop. Donc vous avez juste là un trait qui va être en diagonale
Et un deuxième trait qui va vous permettre de jouer encore une fois sur les différentes brillances qui sont dans les yeux. Donc là, on va aller vers le haut à gauche et sur l'œil droit, on va oui, sur l'œil, son œil à gauche, on va aller en haut à droite. Je reprends sur l'autre caméra. Ici, en diagonale vers le haut. Alors là, c'est vraiment juste pour habiller un petit peu le regard. Ils sont pas forcément nécessaires, mais c'est plus rigolo. C'est vraiment très très chouette d'avoir justement toutes ces brillances dans les yeux. C'est ça qui va lui donner un regard vraiment très chouette. On va d'ailleurs continuer à habiller ce regard avec le haut de la paupière qui va suivre la courbe à chaque fois qui va suivre la courbe de chaque œil. Donc on va avoir ici une petite courbe au-dessus de l'œil et de la même manière de l'autre côté. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être totalement symétrique. Ça permet tout simplement enfin, moi j'aime bien alterner d'un côté et de l'autre pour pouvoir mieux positionner parce que si on réalise un œil et ensuite on a le challenge de réaliser le même œil de l'autre côté en symétrie, c'est beaucoup plus dur. Donc, je préfère alterner à chaque fois les différentes étapes. Super, très bien, super Natacha. Ravie que vous nous rejoigniez. Alors, attendez, juste, j'ai fait une mauvaise manip. C'est moi qui n'ai plus le chat. Ah si, c'est bon. Alors, on va positionner le nez. Le nez va être... Alors, là, on a la ligne des yeux qui est au milieu. En partant du haut du visage jusqu'au bas de sous le menton. Et en fait, le nez va être au milieu entre la ligne des yeux. Alors, il ne faut pas prendre la ligne qui est sous les yeux. Hein. C'est la ligne sur laquelle on s'est basé. Et on va prendre le milieu ici, entre le bas du visage et le haut et les yeux. Et la ligne des yeux. Donc on va avoir le nez. Hop. Qui va être juste ici. Là aussi, on a plusieurs manières de dessiner le nez. On va garder la manière la plus simple, c'est tout bêtement d'esquisser les narines du personnage. Donc un petit trait, un petit peu en diagonale, et là, de la même manière de l'autre côté. Et c'est à la mise en couleur qu'on va avoir le volume qui va s'esquisser puisqu'on va dessiner, on va accentuer la couleur sous le nez pour avoir un peu plus de relief. Donc vous avez plein plein de méthodes différentes hein, pour le nez. Vous avez un petit triangle sur le côté, comme ça, où on va juste avoir l'ombre qui va l'esquisser, on a les deux points, vous avez plein plein de particularités. N'hésitez pas encore une fois à observer les différents mangas que vous pouvez lire. Le rendu au feutre à alcool est sûrement bien aussi. Oui, alors on va avoir un rendu un peu plus lisse pour le feutre à alcool. Pour la bouche, on va pouvoir esquisser la bouche sur la ligne qui nous reste. Ça va être la ligne de la mâchoire en fait. Ce qui est, hop. Ce qu'on a esquissé juste ici. Observez bien, il faut qu'il nous reste un espace pour le menton. Donc on va laisser une petite boule ici. Et on va avoir entre le nez et le menton un espace qu'on va utiliser pour esquisser la bouche. La bouche, elle va avoir deux commissures. Ce sont les plis qui sont à l'extrémité de la bouche, qu'on va positionner ici au milieu de l'œil. On va avoir une première commissure, un coin de bouche, et hop, un autre point qui va être de l'autre côté. Vous pouvez avoir du coup selon la forme de vos yeux, une bouche qui va être assez large, ou vous pouvez l'affiner en réduisant cet espace de manière à peu près symétrique. Moi, c'est ce que je vais faire là parce que mes yeux sont un peu trop espacés sur ce modèle. Je vais l'affiner comme ça va lui donner un côté un petit peu plus mignon. Le 2B, c'est très bien. Alors, donc ici, pour la bouche, on va pouvoir esquisser. Donc, tout le monde a sa ligne de bouche. Tac.
On va pouvoir esquisser donc un premier trait qui va aller vers le haut. Sous le nez, on va avoir un petit triangle qui va être en fait les coins de le haut des lèvres que vous pouvez arrondir ou avoir. On va faire une petite colline, une petite montagne, et ensuite on va rejoindre le trait ici qui va être le coin de la bouche. Donc on a un trait qui va un peu légèrement vers le haut, qui forme un petit V ou un U, si vous voulez, et on va le redescendre de l'autre côté. Parfait. On va créer le petit espace qui est là pour la bouche ouverte. Là aussi, vous pouvez amplifier son sourire, le personnaliser ou réaliser plus fidèlement le petit espace qu'on a fait ici. Donc là, on va suivre l'arrondi, la petite courbe qui est juste en dessous. Et on va réaliser une petite bouche, une petite ouverture, qui va en fait reprendre les mêmes directions que la lèvre supérieure. Et on va venir le combler ici. Hop. Par deux traits qui sont légèrement pointus au milieu. Ça va lui donner un petit sourire un peu plus chou. La ligne est donc le bord inférieur de la bouche. Oui, en fait, ça va être les commissures, ce sont les coins de la bouche. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait encore la ligne inférieure de la bouche, de la lèvre. La ligne inférieure de la lèvre va se dessiner juste en dessous avec un tout petit arc de cercle. Et on va éviter, on va le faire à la couleur tout à l'heure, on va juste éviter de dessiner d'un bloc, depuis les commissures jusqu'ici, jusqu'à la lèvre. On va tout simplement avoir là l'arc de cercle qu'on va dessiner. Hop, vous pouvez remonter un petit peu en flèche les côtés des commissures, ça vous permet d'avoir un sourire un peu plus joyeux. Alors, pour le gros plan, hop, il arrive. Vous l'avez juste ici. Ou alors, attendez, je vais rester parce que là, elle est un peu en décalé. Hop. Vous avez donc les yeux, le placement du nez qui est à peu près au milieu, comme ça, avec les deux petites narines, la bouche qui est juste ici, l'espace pour le menton. Et on va venir ensuite lui créer quand même des sourcils parce que pour l'instant... La paupière qui est ici, ce ne sont pas les sourcils. C'est normal si la forme de mon visage est tout maigre. Alors vous pouvez lui élargir un petit peu la mâchoire qui est ici. En fait, là, ce sont les os qui sont dans la bouche, qui vont former en fait le bas du visage. Vous pouvez l'arrondir, ensuite vous pourrez le personnaliser et jouer avec ces différents éléments-là. On va ensuite passer aux sourcils. Donc les sourcils, selon l'expression que vous voulez lui donner, là on est sur une expression assez neutre pour le visage, on peut avoir des sourcils qui vont suivre très légèrement. Alors moi j'aime bien ici esquisser quelques poils et ensuite étirer le sourcil qui finissent un petit peu plus fin vers le bas du sourcil. Donc la même chose de l'autre côté. Donc là, on commence au-dessus de l'œil. Pareil de l'autre côté. Avec quelques petits poils, hop, qui partent dans le sens du sourcil. Et qui vont s'affiner. Vous pouvez choisir la couleur des yeux, des cheveux, n'hésitez pas. J'ai l'impression d'être observée par la fille que je dessine. C'est bien, ça veut dire qu'elle a un visage expressif. Alors, on va pouvoir lui mettre des oreilles aussi, accessoirement, histoire qu'elle puisse à la fois nous voir et nous entendre. Et la taille des oreilles va être la taille, hop, entre les yeux, ici, et le nez. Donc, d'ici
Jusque-là. Ça va dépendre en fait si vous avez étiré votre personnage ou si vous lui avez fait un nez. Là, par exemple, par rapport à mon modèle, le nez est un petit peu plus bas que sur celui-ci. Donc on va pouvoir faire un arrondi. Une sorte de C de ce côté-là. Donc là, on va avoir la taille des oreilles qui va être sur les yeux et on va le réduire un petit peu. Normalement, une oreille fait à peu près la taille du dessous, à partir du dessous du nez jusqu'aux yeux. Selon le personnage et la manière dont vous avez étiré le visage, là, ça va lui faire de grandes oreilles si je le fais. Donc, on va réajuster un petit peu. C'est nous les patrons hein, sur le dessin. Donc vous avez une forme de C en fait ici qui va se mettre d'un côté et de l'autre du visage. Donc on a le lobe de l'oreille en bas et le dessus. Et pour avoir l'intérieur, j'espère que je ne vais pas trop vite, pour avoir l'intérieur, on va de manière symétrique aussi. Hop, faire un creux comme ça. On va rester simple hein, sur l'esquisse, puisqu'on est dans une stylisation et on n'est pas dans quelque chose de très réaliste. Donc là, on va juste faire un arc de cercle avec une petite pointe sur le côté vers l'extérieur du visage. Et de manière symétrique, tout est permis, tout à fait. Donc là, un petit creux, hop, et une pointe qui va vers l'extérieur. Ah oui, pardon, j'ai ma tête dessus. Après, vous pouvez vous amuser avec les proportions, vous pouvez le détourner en faisant des un homme, le détourner avec plein de coupes de cheveux aussi qui vont être personnalisable. Donc là, j'ai fait une coupe courte, là avec des ondulations, des petites couettes. Sur le modèle que je vais vous proposer aujourd'hui, on va rester sur une coupe à la manga, beaucoup plus sage et beaucoup plus traditionnelle. Donc ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter l'intérieur ici de l'oreille. Pour ensuite ça va nous aider à placer les ombres qui sont au crayon de couleur. Hop. Alors, n'hésitez pas, si vous avez plein de repères un petit peu partout, c'était tout l'intérêt justement d'utiliser un crayon qui ne soit pas gras, vous allez pouvoir gommer les repères que vous aviez. Poser sur votre personnage, ça va vous permettre de libérer un petit peu votre dessin. Hop. Et pareil, en fait, une fois que vous avez les proportions en tête, vous pouvez, donc là, c'est ce que je vous ai fait hein, sur le petit papier calque comme ça, une fois que vous avez les proportions en tête, vous pouvez le décliner sur plein de personnages, leur inventer des histoires, personnaliser la coupe de cheveux, vous éclater sur les différentes couleurs que vous allez pouvoir utiliser, et sur les expressions du personnage. Donc j'enlève mes petits repères pour garder les lignes définitives. Hop. Mes yeux sont le plus rapprochés que les vôtres. Alors normalement, il y a l'espace d'un œil entre les deux yeux. Donc vous prenez la largeur de votre œil, vous la reportez une fois pour l'espace vide, et vous la reportez une deuxième fois, et là vous allez avoir le placement de votre troisième œil. Enfin, troisième œil, deuxième œil du coup. oui, vous pouvez, je vous scannerai le papier calque si vous le souhaitez et je vous le posterai sur le groupe et je vous le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Pas de souci. Alors, maintenant qu'on a notre personnage chauve, on va quand même lui donner une petite coupe de cheveux.
Là, je suis partie sur une coupe de cheveux avec une frange et avec des cheveux assez longs parce que j'aime bien m'amuser sur la chevelure. Ça permet justement de pouvoir lui mettre plein de couleurs. Donc, la ligne, je vais vous remettre là le petit modèle. La ligne des cheveux, on va la mettre juste au niveau, la ligne de la frange, on va la mettre juste au niveau des sourcils. Et on va imaginer un point au-dessus là du rond. Check. Alors, pour vous montrer, là, elle n'est pas tout à fait au-dessus. Je l'avais un petit peu décalée. On va garder la même chose. On va avoir ici la naissance des cheveux, le sommet du crâne. Avec plaisir, Corson. Donc à partir de là, on va avoir comme si on avait un volume qui va se déplier à partir de là. Hop. On va rayonner pour avoir les cheveux qui vont suivre en fait le galbe du crâne, l'arrondi. Donc je vous le mets juste ici. Vous avez, hop, ici la sphère. Et en fait, on va avoir là l'arrondi des cheveux qui va aller dans cette direction et qui va suivre la gravité. Après, vous pouvez aussi faire quelqu'un qui a les cheveux au vent. C'est comme vous le sentez, hein. Mais généralement, je l'ai fait un peu petit, hein, mon rond. Je vais vous le faire en plus grand, juste là. Vous avez ici un rond sur lequel on va avoir là la coupe de cheveux qui va épouser la forme, le volume ici de la sphère. Donc là, il faut se projeter légèrement sur la manière de faire un volume. Hop. Donc vous n'hésitez pas à rajouter quelques cheveux. Évitez de le faire avec de dessiner tous les cheveux. Ça, vous pouvez lui faire la coupe que vous voulez. N'hésitez pas à être créatif, effectivement. Comme je vous l'ai dit, là, je vous ai proposé trois petits modèles qui ont des coupes de cheveux différentes. Vous pouvez lui faire Bulma dans Dragon Ball Z, c'est une très bonne référence. Hop. Alors, en fonction de la taille de votre personnage, de votre visage, n'hésitez pas, hein, si vous voyez qu'elle a les cheveux qui sont un petit peu trop plats sur le haut du crâne, normalement, quand vous avez le haut du crâne, vous avez quand même une épaisseur pour pouvoir créer les cheveux. Donc, ici, on va lui arrêter la frange. Donc là aussi, en fait, tous les traits qui vont être vers le bas de la frange vont normalement aller vers ce point-là. Ça permet d'avoir une frange qui ne soit pas complètement coupée droite. Et ensuite, on va pouvoir lui faire les cheveux qui vont d'un côté et de l'autre du visage, qui vont pouvoir lui encadrer un peu le visage. Ça va lui éviter d'avoir les tempes découvertes qui sont juste là. Donc on va avoir un grand trait qui va aller vers le bas du visage, qui va s'arrêter, hop, en mèche comme ça avec une ligne horizontale, et l'épaisseur de la chevelure qui va être sur le côté extérieur. Je vais rajouter aussi des petites mèches à la volée qui vont être sur le côté comme ça et qui vont aller vers la bouche, vers le visage. Hop. Donc là aussi, hein, j'en ai mis deux, mais vous pouvez en mettre trois, en mettre une ou pas du tout. C'est comme vous le sentez. Et pour avoir une coupe symétrique, j'enlève mes petites esquisses de nez. On va partir de ce côté et on va encadrer également le visage. Là, sortez vos âmes de coiffeur et de coiffeuse.
Tac. D'un côté. Je suis ravie que ça vous plaise, Laetitia. Ensuite, on va donner le volume. Alors là, je suis partie d'une manière un peu plus organique. Sur le côté ici, j'ai fait des vagues, parce que j'aime beaucoup travailler les cheveux sur mes personnages. Je suis partie sur quelque chose d'un peu plus asymétrique, avec un mouvement qui va sur le côté. Donc là, laissez place à votre créativité, pour lui donner un carré long, des cheveux semi-long, un peu bouclé, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous amuser sur les formes. Encore une fois, évitez de faire plein 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 de traits. N'hésitez pas à le faire par grosse mèche. Donc là, par exemple, j'ai fait quelques traits et pas plus. J'ai pas dessiné cheveux par cheveux. Hop, d'un côté et de l'autre. Bah de l'autre, j'ai ma sphère qui va me gêner, donc je vais lui faire les cheveux, hop, qui vont aller derrière le cou. Donc là, n'hésitez pas à vous amuser avec le personnage. Tac. Et on va pouvoir passer à la mise en couleur une fois que vous avez terminé. Donc j'ai fait aussi quelques petites mèches rebelles ici qui partent sur les côtés. Ça, si vous ne les avez pas esquissées, on pourra le faire à la mise en couleur, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde a réussi à placer ces éléments? Ah oui, j'ai aussi rajouté ici les trois petits. Trois petits grains de riz. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent en manga. Et vous avez trois petits traits comme ça qui viennent habiller un petit peu les joues. Là aussi, c'est comme une sorte de petit triangle. Hop, on va pouvoir passer à la mise en couleur. Donc, sortez. Hop. Les couleurs, alors l'idéal, c'est après un peu comme les Pokémon, hein, c'est que plus on a des crayons de couleur, plus on a de teintes, plus c'est agréable de mélanger toutes les nuances. Hop. Mais là, on va prendre les 24 qui sont là et qui vont largement suffire à la mise en couleur. On va sur la mise en couleur, on va garder quelque chose d'assez light, d'assez léger pour avoir un teint quasiment uniforme. En fait, on n'est jamais complètement de la même teinte, de la même couleur. C'est pour ça que je lui ai rosé les joues. On verra mieux sur l'autre caméra. Hop. Vous voyez, je lui ai rosé un petit peu les joues et accentué les ombres, mais sinon elle a un teint qui est légèrement uniforme. Mon dessin ressemble à la coupe de Toto. Hop. On va donc, n'hésitez pas pour la mise en couleur. Là, je vais commencer par le visage. On va lui appliquer un fond de teint. Donc, de manière uniforme. N'hésitez pas aussi à commencer la mise en couleur d'en haut à gauche vers le bas à droite si vous êtes droitier. Et inversement. Si vous êtes gaucher, ça vous évitera de d'étaler en fait la mise en couleur, votre crayon de couleur. Donc de manière uniforme, vous allez recouvrir tout le visage et sur certains aspects, donc là par exemple sous l'arcade sourcilière, sous la paupière ici, vous allez pouvoir foncer tout simplement en appuyant, tac, en appuyant sur votre crayon de couleur. Donc là, j'ai pris un beige qui va nous permettre d'avoir une couleur hop, assez proche de celle de la peau. Mais là aussi, hein, si vous avez des envies de soleil, vous pouvez avoir une couleur de peau beaucoup plus bronzée. Et on va tout simplement faire glisser le crayon de couleur. Là, je vais peut-être vous avancer sur la caméra qui est ici. Voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux.
N'hésitez pas à appuyer hop, sur certaines zones pour montrer un peu plus, faire ressortir les volumes. Donc d'un côté, sous là les sourcils, de l'autre côté également, pour la petite ombre sous le nez, et on va aussi avoir l'ombre du menton. Oui, cette caméra prend un petit peu moins la lumière, donc c'est plus facile de voir les valeurs. Après, c'est un petit peu compliqué sur une teinte qui est un peu claire comme celle-ci. Pour la mise en couleur au crayon de couleur, il est plus simple de commencer par du clair et d'y aller crescendo en appuyant sur certaines zones pour pouvoir les foncer. Et par rapport aux proportions, plus vous allez avoir un visage où tout est un petit peu compact, plus ça va être un visage d'enfant et plus mignon. Donc là, par exemple, on est sur un visage qui est un petit peu plus étiré sur ce modèle-là. Donc n'oubliez pas les oreilles de la même couleur. Hop, là, j'aurais dû enlever mes petits traits de construction. Vous avez également le cou. Vous pouvez marquer un peu plus l'ombre qui est sous le cou. Et pareil, en fait, là sur le côté des pommettes, vous pouvez accentuer aussi le crayon de couleur. Et après, on va jouer sur les nuances en utilisant d'autres crayons de couleur. Là, on a gardé la même couleur. Tout du long, juste en accentuant la pression des crayons. Et on va pouvoir utiliser un rosé. Est-ce que j'en ai un autre? Non, j'ai celui-ci. Un rose pour avoir des joues qui ont bonne mine avec un petit peu de blush. Donc là, très légèrement, le but c'est pas non plus d'avoir quelque chose qui soit très très visible, mais vous pouvez roser comme ça la joue et de l'autre côté également. Pour maquiller légèrement votre personnage. Généralement, surtout en manga, le nombre de teintes utilisées pour les visages n'est pas, enfin, il n'y a pas 50 milliards de nuances. Mais là, au moins, on a souvent ce petit côté un petit peu rosé sur les joues. On va pouvoir soit garder le même rosé pour la bouche ou accentuer avec le rouge à lèvres pour avoir un rouge un peu plus puissant. Généralement, vous avez la lèvre supérieure qui va être légèrement plus sombre que la lèvre inférieure. Donc là, accentuez en appuyant un peu plus sur la lèvre. Et ici, pour avoir le volume, je laisse en fait cette partie-là en blanc pour avoir la brillance de la lèvre et tout le côté hop, va être rempli de couleurs. Donc là aussi, hein, vous pouvez jouer avec les différents jeux. Je prends un rouge un petit peu plus accentué ici pour les ombres et plus vous allez passer de temps sur votre dessin, plus vous allez pouvoir rajouter des petits détails.
Pour les yeux sur le modèle, je suis partie sur du bleu mélangé à du rose, parce que en manga, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, je vais garder ça, mais j'ai envie de violet pour ce modèle. Donc généralement aussi pour la mise en couleur des yeux, on a... Mais prenez votre temps, Aurélia, il n'y a pas de souci. Pour les peaux bronzées, on prend quelle couleur, s'il vous plaît? Alors, vous pouvez passer soit sur un... Alors, moi, j'utiliserai par exemple celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus marqué. Par exemple, mes petits modèles qui sont là sont un poil plus bronzés, notamment celles en couleur avec les crayons aquarellables et un petit peu plus orangé parce que là c'est une superposition de jaune, rose et un peu de rouge encore une fois avec un petit peu de marron. Donc vous voyez avec les pommettes on peut avoir vraiment une sensation de volume alors que qu'on est au crayon de couleur. Encore combien de temps? Je pense déjà pour aller jusqu'à 19h je pense que je vais dépasser de 5 minutes. Pour pouvoir le terminer, on va lui mettre en couleur les yeux avec le violet. Là, pour la mise en couleur, vous avez à chaque fois la possibilité de faire un dégradé. Donc d'appuyer un peu plus intensément, hop, sur le dessus. On va laisser les brillances qu'on a dessinées, hein. Et plus on va descendre dans l'œil, moins on va appuyer sur le crayon. Comme ça vous donne un petit dégradé dans les yeux. Est-ce qu'on peut utiliser des crayons pastel? Oui, bien sûr. Plus ça dure, plus c'est bon. Et parfait. De la même manière, hop, de l'autre côté. Ça fait penser un petit peu à la série The Witcher. Avec les yeux violets. Donc là, il n'y a pas de règles, hein. Vous pouvez vraiment vous amuser avec les nuances que vous souhaitez. Vous pouvez combiner et superposer aussi les couleurs. Par exemple, on va lui rajouter un bleu un peu plus intense. Ou alors c'est un violet, c'est un violet. Juste au-dessus pour superposer les crayons de couleur. N'hésitez pas encore une fois, il y a le groupe des ateliers de Canson sur lequel vous pouvez partager votre réalisation et ce que vous avez fait durant le live. Ça permet de voir qui a suivi et qui a fait quoi. Hop. Il y a des jeunes de 6e qui vous regardent. Ah génial, je crois que sur l'atelier Chibi, le plus jeune avait 6 ans. Alors, on va pouvoir utiliser donc les crayons de couleur pour faire les cheveux. Et pour les cheveux, j'ai tout simplement utilisé du noir. Hop. Avec aussi une base une teinte de couleur. Donc là, je suis partie du bleu au rose. Et juste pour les reflets, ici, j'ai gardé du bleu. Donc le bleu, en fait, pour avoir des reflets de couleur, vous pouvez le faire avant ou après. Il n'y a pas forcément de règles. Mais pour avoir un effet d'arrondi, vous pouvez l'esquisser. Il faut avoir ici comme une coupole. Un arc de cercle et suivre cet arrondi lorsque vous allez utiliser votre crayon de couleur. Donc là, par exemple, je vais faire du remplissage, hop, mais en respectant l'arrondi de la couleur, l'arrondi qu'on a tracé. Pas de souci. Hop. Quelle couleur est-ce que vous avez choisi pour sa coupe de cheveux? Est-ce que vous osez le bleu, le rose? Donc là, on colorie, on fait du remplissage, mais avec l'arrondi. Vous pouvez varier aussi l'intensité de pression
sur certaines parties, avoir des choses un peu plus poussées, des choses beaucoup plus légères. Tac. Et pareil, ici on a un dégradé qui va du bleu au rose. Donc on va commencer le bleu du dessous et faire du remplissage. Violet, est-ce qu'il y aura des audacieux avec de l'arc-en-ciel? Ah, un peu de couleur. Pour ceux qui sont familiers du terme, on va lui faire un petit tie-and-dye. Donc c'est ce qui s'appelle le dégradé. C'est d'ailleurs ce que je porte avec les cheveux roses. Bon, j'ai ma couleur naturelle jusqu'à la décoloration. Donc comme ça, vous aurez en plus appris des termes de coiffure. J'adore, je le dessine tout à l'heure. Je ne suis pas arrivée à temps pour le direct. Pas de souci. Hop, sur le côté, on va faire la même chose. On remplit la couleur, on accentue certaines parties si on le souhaite. Donc par exemple ici, pour dégager le cou, hop, on va accentuer. Et n'hésitez pas aussi, vous pouvez revenir ensuite avec un crayon un peu plus gras pour avoir les contours définitifs de votre personnage. Tac. Et alors, à la place du noir, je vais prendre du marron. Pour le marron, ce sera la même chose. N'hésitez pas à prendre ici le repère que vous aviez placé pour avoir la racine des cheveux et de prolonger à chaque fois en suivant la courbure pour qu'on sente vraiment le volume des cheveux. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on peut lui faire des petits cheveux indépendants, les petits cheveux rebelles. Hop, en accentuant certaines parties de la mise en couleur ou tout simplement aussi en dépassant avec de jolies arabesques. Tac. Donc vous faites du remplissage, vous pouvez superposer également les couleurs les unes aux autres. Ça fait que le bleu va se fondre dans la partie un peu plus brune. Moi qui n'arrive jamais à faire des cheveux, je vais pouvoir essayer. Eh bien, amusez-vous. Et surtout, éclatez-vous sur la mise en couleur. Alors, c'est plus sympa aussi d'avoir. Là, j'ai pas pris le temps de prendre le taille-crayon. Donc, j'ai commencé avec des crayons taillés, mais qui ne le sont plus à force de les utiliser. Si vous avez un taille-crayon sous la main, c'est encore mieux. Et pour être raccord avec ses yeux, je vais lui glisser quelques petites tonalités de violet à la place du rose que j'avais utilisé sur mon modèle. Donc pour ne pas voir les démarcations, en fait, j'applique la couleur et je soulève le crayon pour la réappliquer ensuite. Donc je garde une gestuelle qui va être toujours la même. Ou sinon, il y a des zones que vous pouvez remplir en ne quittant pas le support papier. Je suis timide avec la couleur, je n'ose appuyer. N'hésitez pas. Après, les dessins sont faits pour s'amuser. Et d'ailleurs, une petite astuce également, pensez à dater vos dessins. Ça vous permet de vous souvenir quand est-ce que vous l'avez fait et de voir aussi les progrès en dessin que vous aurez fait. C'est toujours agréable de voir des dessins qu'on a faits il y a 2, 3 ans, 2 semaines, le mois dernier. Et c'est avec la pratique aussi qu'on s'améliore. Donc faut pas s'attendre à faire un dessin spectaculaire dès le premier coup de crayon, mais l'important c'est de s'amuser.
Tac. Tout le monde arrive à faire son remplissage? Et après, vous pouvez oser les couettes, les nattes, les queues de cheval. Vos personnages peuvent être habillés et coiffés comme bon vous semble. Avec grand plaisir. Je finis. Hop. Les cheveux. Et n'hésitez pas à prendre votre temps aussi sur la réalisation. Plus vous allez y passer du temps, plus vous allez pouvoir affiner les détails. Super. Donc une fois que vous avez les proportions du visage de face que vous avez bien intégrées, vous allez pouvoir lui donner des expressions beaucoup plus poussées, pouvoir vous expérimenter aussi sur des angles de visage dont vous avez moins l'habitude. Mais il est important de passer par ces étapes de construction. N'hésitez pas à revoir encore une fois le replay pour avoir toutes les indications pour pouvoir le faire. Je n'ai pas fait, mais mon fils de 12 ans a participé. Génial, ben, hâte de voir sa création. Que ce soit en famille, pour le plaisir, pour soi, c'est toujours très très chouette de s'octroyer un petit moment créatif comme celui-ci. Et du coup, ça fait une petite rentrée en douceur pour ceux qui rejoindront les bancs de l'école. Vous pouvez aussi laisser des espaces blancs. Qui sont des espaces de papier, des espaces de réserve pour avoir une illustration beaucoup plus lumineuse. Vous n'êtes pas obligé de remplir, de recouvrir. Vous voyez, là il aurait besoin d'être taillé, mon crayon, quand même. Hein. Et vous avez la possibilité, hop, de jouer avec toutes ces nuances. À mon grand âge, je ne pensais jamais dessiner un manga. Top! Et ben, je suis ravie, Annie, que ça vous ait plu. Merci en tout cas à tous pour votre participation. J'espère que je verrai votre fille de 9 ans et demi s'élancer. Génial! N'hésitez pas à partager votre réalisation dans le groupe des ateliers de Canson. Il y aura un prochain live qui sera le mercredi 13 septembre, animé par Claire-Lise Chauvelet, qui sera sur les proportions manga, les proportions du visage plus académiques pour un personnage enfant. Je vais vous remettre la position, hop, la caméra du dessus. Bon, elle est très très étirée, mademoiselle. Je réaccentuerai, hop, légèrement, voilà, avec le noir. Ça permettra d'avoir les traits définitifs pour améliorer un peu les contours. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir avec moi pendant 1 heure. Merci beaucoup encore une fois à Canson, à Claire qui était avec nous, à Alain, et vous aurez aussi la possibilité donc de participer au tirage au sort avec le lien normalement qui doit être épinglé dans le chat, donc pour gagner le matériel que j'ai utilisé. Encore une fois, hop, on a utilisé lors de cet atelier le papier de la pochette C à grain avec en plus son redesign, regardez. Spécial manga pour la rentrée et les crayons de couleur 3.0. Une grande première pour moi, j'ai adoré, c'était très instructif. Merci encore pour tous vos compliments et merci aussi pour votre présence. N'hésitez pas à partager également l'atelier s'il vous a plu et j'espère vous dire à bientôt. Très très bonne soirée à vous, bon courage pour ceux qui vont repartir sur les bancs de l'école. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao.